à tous. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment je fais ma vaisselle écologique. Donc, dans écologie, on a bien sûr l'utilisation d'un produit naturel pour laver la vaisselle. Alors, pour ma part, je n'ai jamais trouvé de liquide vaisselle vraiment efficace, que ce soit un liquide vaisselle écologique du commerce ou un liquide vaisselle fait maison, avec différentes recettes qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Pour ma part, aucun ne lave et ne dégraisse vraiment efficacement. Le moyen le plus simple, c'est vraiment le savon de Marseille, c'est-à-dire que on va utiliser un savon en bloc directement. Pour le choix du savon de Marseille, je prends un savon à l'huile d'olive, donc un savon pur, c'est-à-dire pas un savon à base d'huile de palme et de glycérine. Catastrophique pour les canalisations et pour votre lave-linge si vous l'utilisez pour faire vos lessives. Je privilégie ce type de savon. Je le déballe et je le mets dans un petit pot comme ceci pour éviter de salir partout. Pour laver la vaisselle, j'utilise une brosse en fibre naturelle à base de bois et de bambou qui bien sûr va avoir une durée de vie beaucoup plus longue qu'une éponge synthétique. Je vais vous faire une démonstration. Donc pour laver la vaisselle, tout simplement, je vais mouiller la brosse comme ceci. Enduire la brosse de savon en frottant le dessus de mon bloc. Puis, on va frotter la vaisselle. Il n'y a pas besoin de frotter très fort, hein, ça, on voit bien que ça se décolle assez facilement. Et on va rincer. On voit ici par la brillance de l'assiette, que le résultat est parfait en termes de nettoyage et de dégraissage. On a vraiment une surface parfaitement lisse. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à consulter d'autres tutos, comme par exemple bien choisir son savon de Marseille ou la liste des ingrédients à avoir chez soi pour faire son entretien écologique. Je vous dis à bientôt !